Pour les TP de topographie, vous aurez besoin de matériel simple. Ici, vous pouvez voir une lunette qui est un appareil de base de la topographie. Cette lunette est posée sur un trépied et nécessite deux opérateurs pour être utilisée. Elle permet une lecture des dénivelés d'un terrain. Ici, on peut voir un théodolite qui est une lunette plus évoluée permettant une lecture plus précise avec affichage et réglage numérique. Il permet également une lecture sur le plan horizontal et sur le plan vertical. On a tenu également à vous présenter le niveau laser qui n'est pas utilisé lors de votre formation mais que vous pourrez rencontrer lors de stages sur chantier. Il permet une lecture à 360 degrés et ne nécessite qu'un seul opérateur à l'utilisation. Donc à la suite des manipulations qu'on fait à l'extérieur, à l'aide du théodolite, il aurait fallu prendre des notes qui sont juste là. On remplit les distances entre chaque point et nos angles. Et une fois qu'on a pris tout ça, on peut se permettre avec ces données-là de faire comme ici un plan de masse. Donc avec la station, elle était placée à un endroit, on a fait des relevés autour et on a pu tracer le devant de l'IUT de manière très simple et très précise. Donc à la suite de ces travaux pratiques, si la topographie, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, il y a plusieurs débouchés. Donc entre autres le métier de topographe, de géomètre ou de géomaticien. Ces métiers-là, c'est aussi bien des métiers de terrain que des métiers de bureau pour de la vérification.